dans un village au cœur de l'Andalousie. On y était attendu. Bonjour, je suis Juan Manuel Sanchez Gordillo, maire de Marina Leda. À seulement 80 km de Séville, Marina Leda, 3000 habitants. Chômage, 40%? Non, moins de 5%. Personne sans domicile, alors 30%? Non, ici 0%. Ici, tout le monde a un toit, à lui, une maison. Pas d'expulsion, pas de dette. Un logement pour tous, c'est le premier étage de l'utopie, voulu ici par ce maire, en place depuis 30 ans. Bien sûr que sans travail, on vit mal. Terriblement mal même. Mais sans maison, on ne peut tout simplement pas vivre. C'est pour ça, je répète, le droit à disposer d'un logement est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais ça doit être appliqué. Et si aujourd'hui ce n'est pas un droit réel, c'est qu'ils l'ont transformé en objet de spéculation. L'utopie, pour moi, c'est l'ensemble des droits les plus nobles des êtres humains. Et à travers la lutte, ils peuvent et doivent devenir une réalité. Je crois encore qu'il n'y a rien d'impossible, rien hors d'atteinte. Le seul truc qui manque, c'est qu'on s'y mette. Juste faire et se battre, avec constance. Je crois que la constance est révolutionnaire et permet de se diriger vers une société différente. Mais c'est quoi la recette pour rester pendant 30 ans maire et être réélu 7 fois? Quel est le secret? Je crois que le secret, c'est d'être le premier à l'heure des sacrifices et de la lutte, et d'arriver le dernier à l'heure des bénéfices. Et puis essayer d'être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Un autre monde est possible. C'est écrit.